Attendu que vous avez été impliqué en qualité d'auteur dans une agression violente à l'encontre de Madame Christina Celestini, qui se trouve être votre mère, je décide de prendre contre vous des dispositions exceptionnelles. Il vous sera dorénavant rigoureusement interdit de vous approcher à moins de 100 mètres du domicile de votre mère. Il y a cette première scène du film qui est une scène de violence extrême, la scène où Margaret s'en prend à sa mère. Et pour moi, c'était très très important le regard de la petite sœur, donc de Marion, là-dessus, qui est effrayée, qui est tétanisée, enfin voilà, qui est choquée par ce qu'elle voit. Et c'était important parce que c'est ce qui va la pousser à aller jusqu'à tracer cette ligne pour être sûre et certaine que sa sœur ne la traversera pas. Et c'est vrai que c'est elle qui va être la gardienne de cette ligne. Elle est prise dans un conflit de loyauté terrible entre cette mère et cette sœur. À un moment donné, le fait de matérialiser la ligne permet de dire à Margaret, elle est là, tu ne la franchis pas, quoi. Et je pense d'ailleurs que Margaret ne la franchit pas parce que c'est sa sœur qui l'a tracée. Au début, donc, c'était vraiment une idée à nous deux. Et puis on a commencé à écrire à deux. Moi, je me suis réapproprié un moment l'écriture. Et puis c'est elle qui se l'est réappropriée. On a travaillé aussi avec un peu Robin Campillo. À un moment donné, moi, je me suis tout à fait éloignée du processus d'écriture pour essayer d'arriver le plus neutre possible le premier jour du tournage. Et Ursula a continué avec Antoine Jacou, qui est son co-scénariste habituel. En fait, je crois qu'il y a une chose qui, effectivement, moi, m'interpelle et m'a interpellée quand j'ai commencé à faire de la boxe anglaise. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je trouve de si positif, c'est pas le mot, mais de si singulier, de si spécial? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'y retourner dans cette salle de boxe? J'ai trouvé dans la boxe et dans l'entraînement de la boxe un échappatoire et quelque chose qui canalisait une forme d'énergie que j'avais besoin d'évacuer. Et puis j'ai vu autour de moi beaucoup de femmes peu à peu venir au club de boxe. Et donc peut-être que ça m'a quand même questionnée là-dessus. Et tout à coup on se disait, tiens, avec Ursula, mais en fait, et si c'était une héroïne tout à coup vraiment qui porte en elle cette violence-là? Alors évidemment, c'est moins sexy. Et il suffit de voir d'ailleurs, effectivement, même moi, et à nous tous, notre rapport à la violence quand on voit un homme avec un œil au beurre noir, on se dit d'entrée de jeu qu'il s'est battu. Quand on voit une femme avec un œil au beurre noir, on se dit d'entrée de jeu qu'elle s'est fait battre. Je trouve que la famille, c'est quand même le fondement de tout, comme être humain, adulte, de l'amour qu'on a reçu ou pas reçu. Il y a quand même de fortes inégalités, je trouve, aussi. Mais l'amour, ça peut être aussi l'amour de gens qu'on croise, voilà, qui peuvent aider à se construire. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on transmet? Tout se passe quand même dans l'enfance. Et puis j'adore travailler aussi, j'adore travailler avec les enfants, avec les jeunes personnages, quoi. Enfin, que ce soit dans Des épaules solides, mon téléfilm pour Arte, la RTS, dans L'enfant d'en haut, bien sûr. Dans Home, il y a tout le temps des personnages d'enfants comme ça qui sont aussi, qui ont un instinct de survie assez impressionnant. La petite Marion dans la ligne, le fait qu'elle s'en remette à Dieu, qu'elle se confie à Dieu. Et puis évidemment, les relations intrafamiliales, c'est assez passionnant. Et comment la famille se restructure quand quelqu'un, un membre, bouge, quoi. Je trouve ça assez passionnant.